Allez, c'est parti. Le Maroc qui se qualifie pour la première fois en demi-finale de son histoire, de l'histoire de l'Afrique. La première nation africaine qui se qualifie en demi-finale d'un mondial. Ils éliminent un Portugal avec des armes offensives impressionnantes, que ce soit sur le banc, sur le terrain. On avait un Ronaldo qui est rentré en cours de match. On l'a vu, il a eu une occasion en fin de match, il aurait pu égaliser, mais il ne l'a pas fait. Le Maroc a fait un match parfait, comme face à l'Espagne. Ils ont tenu dès le début du match, et ils ont marqué par En-Nesyri à la 43e minute. Le but exceptionnel d'En-Nesyri est venu sur un ballon, un centre d'Atia. Atia qui a remplacé Mazraoui. Il y a eu des absences avec la fatigue face à l'Espagne. Là, les absences ont été comblées par Atia, par El Yamik, qui a été héroïque. Je l'ai dit, ça rime. Et en plus, il a été héroïque. Avec les entrées aussi à la place de Saïs, qui est sorti en cours de match. Dari qui a remplacé. Donc, il y avait la défense. 3 défenseurs sur 4 qui étaient nouveaux côté Maroc. Mais ça a tenu. Bravo Maroc, très belle victoire. Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vous féliciter. C'est pas une vidéo pour vous dire j'analyse le match, parce que je peux pas analyser le match à chaud comme ça. Je suis trop dans le ressentiment, dans la tension de fin de match. Franchement, on vit un moment historique les amis. Je sais pas si vous en rendez compte, le Maroc en demi-finale, le dernier carré. 4 équipes, il reste 4 équipes. Pour l'instant il y en a 3 qualifiées. Il y a la Croatie, il y a l'Argentine. Et le Maroc à la même hauteur les amis. Le Maroc qui peut regarder dans les yeux des nations comme l'Argentine, la Croatie et la France et l'Angleterre, pourquoi pas. On va suivre ce match du côté du Maroc. La France, j'espère que vous encouragerez la France pour avoir un superbe France-Maroc en demi-finale. J'espère que tous les Marocains seront derrière la France. Dites-moi dans le chat les amis, soulignez, est-ce que vous êtes pour la France ou pas. N'hésitez pas, vous voyez, vous êtes dans le chat, vous apparaissez sur la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour la France ou pour l'Angleterre. Merci à tous les amis. On a passé un moment exceptionnel. Je vais un petit peu citer tous les joueurs qui ont été présents dans ce match-là, du côté Maroc et du côté portugais malheureusement. On va en parler un petit peu moins parce qu'ils sont éliminés. Les Portugais ont été déjà 2 fois en demi-finale et c'est la première pour le Maroc. Donc c'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. On va parler de qui? On peut parler de Bounou. Salut à Hassanin. Salut à toi Mohamed. Dernier abonné, voilà vous avez une alerte. C'est indirect, vous en faites pas. L'alerte Didier Deschamps qui est là, qui veut la coupe avec l'OM. Merci à toi pour les abonnés, merci pour tous les pouces qui ont été présents et tous ceux qui ont été présents, les abonnés et tous ceux qui ont été là, les viewers, merci à tous. On est encore nombreux sur le live. Donc le Maroc, exceptionnel. On va citer Bounou, je l'ai dit, Bounou, exceptionnel match. Il a fait une parade en fin de match face à une frappe de Joao Félix de la main gauche ferme, opposée. Il s'est envolé, ça peut être une photo, ça peut être la photo que je vais mettre en miniature. L'arrêt qu'il nous fait, il est exceptionnel. Il nous a fait un match exceptionnel, Bounou. Tout dans l'assurance. Il y a une occasion dans le match que je tenais à souligner de Bounou. C'est un centre vicieux des Portugais, en première mi-temps, je crois, où Bounou va jouer le ballon en l'air. Il saute très haut, il garde le ballon dans les mains. Et il a même une charge dans le dos de Bruno Fernandes. Il garde le ballon. Il ne le lâche pas en l'air jusqu'à tomber au sol. C'est ça le Maroc. Ils n'ont rien lâché. On a Amrabat devant la défense. J'ai parlé de la défense avec El Yamik, avec Dari, avec Atia qui a été exceptionnel, remplaçant de Mazraoui. Hakimi toujours là, techniquement, sur son côté droit avec les combinaisons. Ziyech avec les joueurs de devant aussi. En-Nesyri qui fait le pressing. Mais le milieu. Amrabat, je l'ai appelé le chauve. Je tenais à m'excuser. Je l'ai appelé le chauve en direct. Mais c'est un chauve béni des dieux. Quoi. Mais il a été impressionnant. Tout seul devant la défense, à faire le travail pour deux. À droite, à gauche, le nouveau Kanté, m'en voulez pas pour la petite comparaison, mais le nouveau Kanté, le milieu terrain, Unai, techniquement c'est au-dessus du lot, il a beau jouer à Angers, mais ce joueur va percer, c'est sûr, dans le football. Unai, exceptionnel, il a régalé plusieurs fois Café Crème, comme Boufal sur son côté gauche, Café Crème, comme dans le direct, hein, Café Crème. Et on peut parler aussi de Ziyech, je l'ai dit, Ziyech. Le peut-être patron de cette équipe, l'âme de cette équipe, il est revenu depuis que Regragui est venu en tant que coach, depuis que Ali Zodic est parti. On a pris Regragui, un homme du terroir, un homme qui connaît le Maroc, qui connaît vraiment le Maroc profond et qui a préféré rappeler Mazraoui, Ziyech, et qui leur rendre bien. Voilà les amis, je ne vais pas parler des rentrants, mais Chedira se fait expulser dans le cours de match. C'est anecdotique, c'est en fin de match, ça a tenu. C'était parfait. Voilà, Chedira manquera la demi-finale malheureusement pour lui, mais il y aura un En-Nesyri. J'espère qu'il y aura un retour
de la défense, Saïs qui est sorti blessé, avec son ischio qui a un petit peu lâché, on le savait un petit peu délicat avec la fin de match face à l'Espagne. On a une absence aussi d'Aguerd. Je sais pas s'il est absent pour toute la Coupe du Monde, mais j'ai bien peur que oui. Il était sorti sur civière la dernière fois. Saïs aussi sorti sur civière. J'espère qu'il y en a un des deux qui reviendra pour la solidité face à la France, face à l'Angleterre, peu importe qui. On espère passer une bonne demi-finale. Voilà, vous avez atteint ce qui était pour vous, pour toute l'Afrique, un palier à franchir. C'est la demi-finale, le dernier carré. Exceptionnel Maroc. C'est le titre que je vais mettre de cette vidéo. Exceptionnel Maroc. Merci à tous. À tout à l'heure. Voilà, la vidéo, je vais la balancer maintenant. À tout à l'heure pour le live de l'équipe de France, Angleterre. Soutenez-nous, soutenez les Bleus, les amis marocains, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis, on a besoin de force face à l'Angleterre. Costaud, l'Angleterre, très dur. Et on va essayer de les battre pour vous affronter en demi-finale. Et ça sera un match pour la fête du football. Merci à tous. À bientôt chez Seb H-Foot. Abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez de la chaîne, comme d'habitude. Vive le foot chez Seb H-Foot. Merci.